tenu en échec par l'Inter sur le score nul 3 buts partout, le Barça a presque perdu ses chances d'accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et parmi les principaux coupables de ce mauvais résultat figure l'emblématique défenseur culé. Il n'avait déjà pas la cote, ces derniers temps en raison de son refus de baisser à nouveau son salaire. Ce jeudi, Gérard Piqué, 35 ans, est clairement pointé du doigt de toutes parts à Barcelone. Ce mercredi, sa grossière erreur sur le but égalisateur de l'Inter a valu au défenseur Blaugrana d'être moqué comme jamais sur les réseaux sociaux. À l'issue de la rencontre, son entraîneur Xavi n'a pas voulu l'accabler. Mais l'ancien milieu de terrain a clairement souligné l'importance des boulettes de Piqué et de Sergio Busquets dans le résultat final. Si la défense échoue, j'échoue aussi. Si Piqué ou Busquets échouent, j'échoue en tant qu'entraîneur. J'assume l'entière responsabilité. Avec le premier but, nous nous sommes effondrés, et le second ne peut pas arriver dans ce football. Deux erreurs qui nous tuent. Les médias, en revanche, ont été moins softs que Xavi vis-à-vis de Piqué. Après une première période durant laquelle il s'est imposé face à Dzeko, il a été un désastre en deuxième période. En déroute sur le but égalisateur de l'Inter, il a été battu avec facilité, quand le match s'est emballé, virgule, a écrit Sport. Sifflé par le public du Camp Nou à la fin du match, Piqué en a également pris pour son grade dans les colonnes de AS. Mercredi soir, nous avons assisté au début de la fin de Piqué en Ligue des Champions. Même si son contrat se termine en 2024, il est très difficile d'imaginer le central jouer une saison de plus au Barça. Une triste soirée pour l'emblématique joueur du Barça. D'autant que beaucoup n'hésiteront pas à lui rappeler sa fameuse déclaration lâchée au sortir du cinglant 8-2 infligé par le Bayern Munich lors du final 8 en 2020. Maintenant, il faut réfléchir. Le club a besoin de changement, et je ne parle pas de l'entraîneur ou des joueurs. Je serais le premier à m'en aller s'il fallait mettre du sang frais dans l'équipe. Ce temps est peut-être venu. Blessé lors de la dernière trêve internationale, Jules Koundé a fait son retour à l'entraînement du FC Barcelone ce jeudi. Une bonne nouvelle pour Xavi et son équipe qui traverse une période difficile et qui doivent composer avec un secteur défensif déserté. Le Français pourrait même être titularisé sur la pelouse du Bernabéu, tentant d'offrir une victoire qui ferait beaucoup de bien à tout le monde au sein du club catalan, dans une rencontre que les deux entités débuteront à égalité au classement.